pour ce championnat du monde. Nous l'avons conçu. Et si ce mondial de handball était plus que du handball? C'est le vœu que je vais former pour ce mondial, pour notre organisation et pour que nous laissions le meilleur héritage possible à nos clubs, à nos dirigeants et à notre pays. Merci, Monsieur le Président. Vous pensez à cette réunion entre... First time. Yes, and give me 5 minutes. I give you more, if you want. I will come back to you. Mais je crois que nos sportifs sont aimés parce qu'ils dégagent des valeurs que, dans lesquelles nos compatriotes se reconnaissent et qu'ils apprécient. What do you remember? But you don't know how many spectators enter the venues. I will tell you. Voilà, Monsieur le Ministre, qui fait le dernier parti de la famille du handball. And I will going to give him my pen. Alors, Monsieur le Ministre, ça c'est un vrai honneur. Vous êtes quasiment maintenant le président de la Fédération internationale du handball. Parce que c'est un moment important, le championnat du monde France 2017 est officiellement lancé. Oui, écoutez, voilà, ça y est, vous venez de découvrir à la fois notre logo et notre identité visuelle phénoménale. 2001, c'était vraiment particulier puisque c'était un mondial en France. Nous allons nous revoir en 2017 avec pas mal de pression, la même pression. Je suis sûr, marquante dans l'histoire du sport français. Et de participer à ça, c'est une vraie fierté. Il y a des gens qui vont beaucoup travailler en amont. Et nous, on a la responsabilité de donner une dimension supplémentaire à cette fête, la dimension de la réussite sportive. Mais bon, on est encore très loin de tout ça. Je crois que c'est le lancement d'abord de l'organisation. On a, nous, à l'échelle sportive, beaucoup d'échéances qui nous attendent d'ici là et qui vont nous occuper. Tout est lancé. Voilà, effectivement, cette opération de présentation de l'identité visuelle marque le lancement de ce championnat du monde, hein, je rappelle, prévu en France du 11 au 29 janvier, réparti dans 9 villes. C'est la volonté de irriguer, de répandre l'image du handball sur tout le territoire national. Et c'est ce lancement auquel on vient d'assister, avec cette identité, ce choix du logo, qui à la fois
représente à la fois, je pense, la modernité. Il a vocation à étonner, mais aussi il y a une marque d'élégance qui, j'espère, transparaîtra au travers de cette identité visuelle. I'm sure it will be one from the best world championship, as I told you before here, because the main things for France that they have the know-how, how you can organize. They have a very good experience. They have a good people. They are working with us in our commissions, and Joël is also executive members. And then it means I am sure that it will be the best world championship. I'm very happy to be here today, and then very good warming up, good starting for the World Championship 2017 here in France. Maintenant, je suis à 670 jours de peut-être vivre un championnat du monde chez moi, dans mon pays. C'est quelque chose d'énorme. Déjà, quand j'entends parler les anciens de ce qu'ils ont vécu en 2001, ils en parlent encore avec avec de l'émotion. Donc, Ça donne envie. Hein, que 16 ans après, le handball a évolué avec tous les titres gagnés, ça va être quelque chose d'énorme, je pense. Tout ce qu'on peut vivre, nous, quand on rentre de compétition, après le Qatar, après le Danemark, quand on rentre et qu'on partage tout avec le public, on partage pendant 20 minutes. Là, ça va être pendant 18 jours non-stop, quoi. Chaque match, poussé par le public, même quand il n'y a pas match, les entraînements, tout, ça va être quelque chose de fabuleux, quoi. C'est ce qui peut aider à survoler la compétition, j'espère. Le fait de jouer le mondial 2017 en France avec le palmarès qu'a l'équipe de France, ça va vraiment être particulier parce qu'on ne doit pas non seulement essayer de le gagner, mais il faut le gagner. Donc c'est l'exigence qui va peut-être être déterminante et qui va mettre une pression supplémentaire, sur ce mondial. Votre présence et vos questions font qu'aller dans ce sens-là. C'est un mondial en France pour une équipe de France qui aujourd'hui gagne quasiment toutes les compétitions depuis 7-8 ans. Donc forcément, les attentes sont très hautes de la part des supporters, des gens qui aiment le sport en France, des médias. Et ça crée une attente aussi chez les joueurs qui est énorme. Donc oui, il faudra bien gérer tous ces aspects-là. Mais on fait confiance et au staff et aux joueurs pour faire de cette compétition une belle fête.